Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies en direct de la street pour te présenter la nouvelle fiche qui parle de pauvreté dans le monde. Allez, on se retrouve de l'autre côté, c'est parti, je te présente comment en parler dans ton cours de FLE. Donc comme tu le vois, on va parler de pauvreté, mais d'une manière assez détendue, hein. T'as une meuf là qui rigole, je suis pauvre. Mais on va pas mettre des mecs qui sont là en train de baver, plein de graisse sur la tête, en train de mendier tout ça, non, c'est pas ce style là, tu vois. Bon allez, on y va. Trêve de bavardage, tu commences ton cours, tu poses les questions suivantes. Croyez-vous que vivez dans un pays riche? Pourquoi? À partir de quel salaire est-on considéré comme riche dans votre ville? Et existe-t-il des inégalités dans votre pays? Inspirez-vous de ces icônes? Tu poses ces questions, c'est des questions qui sont assez ouvertes, avec des avis plus ou moins divergents. Et les icônes, par exemple, des inégalités entre les hommes et les femmes, au niveau des études, au niveau, là on a un ballon de foot, c'est au niveau du football, il y en a qui comparent les footballeurs aux médecins et vice-versa. Et les footballeurs féminins aux footballeurs masculins et tout ça, quoi. Ensuite, tu as, selon vous, de quoi un pays a-t-il le plus besoin pour devenir riche? Là, ça a en plus un aspect économique sur... c'est plus un aspect économique sur lequel vous allez parler, d'accord? Tu leur montres ça et ensuite, tu as plusieurs thèmes à aborder avec eux. Et certains me diront oui, ils ont besoin de lire plus en expliquant pourquoi ils croient ça. Voilà, et après, dès que tu as fini de parler de tous ces thèmes, tu passes à la compréhension orale. Donc tu vois, comme je t'avais dit dans le premier slide, tu as ici un petit logo, tu vois. C'est un petit logo, c'est écrit 28. Bon, attends, je vais te le montrer après. Là, tu as les questions qui apparaissent. Pour accéder aux audios, tu dois cliquer sur le petit logo 28. Voilà, là, tu as la correction. Donc voilà, tu corriges, tu as juste à cliquer, moi j'ai une petite télécommande, c'est pas mal, tu as juste à cliquer comme ça et tu as les réponses qui apparaissent. Enfin, la dernière activité, pauvre Jeff. Donc lui c'est Jeff, hein, il en a marre d'être riche. Tu connais Jeff Bezos, Amazon, bref. Et il souhaite venir dans ta ville pour voir ce qu'il peut faire en fait en vivant avec 1,90$ par jour. 1,90$, c'est le seuil de pauvreté que tu auras vu juste avant dans l'écoute en fait. Donc voilà, il y a une trame ici à remplir. Donc tu demandes à tes apprenants de se préparer une minute ou deux. Et quand ils ont fini de se préparer, bah, tu démarres et tu les écoutes. D'accord? Donc pour manger, je te conseille de fouiller dans les poubelles, je te conseille de voler. Et t'écoutes un peu les réponses des uns et des autres. Putain! Casse les couilles lui avec sa bécane là. Bien ou quoi? Tranquille. Tranquille. La fin? Ouais, ça va, ça va. Je suis en train de tourner une vidéo, essayer de pas faire de bruit. Les mecs qui font de la bécane, faut les dégager, hein, parce que voilà. Donc voilà. Excusez-moi. Je suis fermé là les mecs, je suis en train de tourner. Alors, excusez-moi pour ces petits désagréments. Ils sont agaçants les gars ici. Bref, t'as la trame là. Pour manger, je te conseille le meilleur moyen de prendre une bonne douche, c'est, t'as certaines personnes qui disent « va à la plage », d'autres qui disent « va à la piscine ». Bref, il y en a qui disent de rentrer dans un appartement et de te laver là-bas directement. Ou les vestiaires du foot, bref, t'as plein d'options différentes que tu écouteras en fait. Ok? Et ensuite, là, ce sera terminé. Hein. Merci. Si tu souhaites aller plus loin, je te conseille vivement de te procurer le pack complet qui parle d'argent et il est disponible en boutique sur flippies.com. Ok? Bon, c'était Abdou, on se dit à très bientôt. Peace! Ils ne savent pas, qu'ils ne me connaissent pas, hein. Ici c'est l'endroit où j'ai grandi. Hein. Tout ça là c'est où j'ai grandi, donc je ne suis pas allé dans un quartier « Oh, ils sont pauvres !» Moi c'est pas à dire ça. Là, la maison où j'ai grandi, elle est là. Attends, elle est là, c'est celle-là. Vous la voyez? Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça et aussi vous dire de vous abonner. Allez, abonne-toi. Allez, clique là.